Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ratchet & Clank. J'espère que vous allez bien et que le dernier épisode vous a plu. Alors, la dernière fois qui s'est passé, on a sauvé Squid, c'est comme ça, et son agent. Donc du coup, ça s'est bien passé. On n'a plus rien à faire ici, à part le truc en or que j'ai vu tout à l'heure ici, là-bas. Mais j'ai aucune idée de comment faire pour y aller. Mais donc, c'est pas grave. Let's go. Et on va faire la mission secrète. Je pense que la planète Rilgar serait un bon choix. Bah oui, mais qu'est-ce qui me manque? Ah d'accord. Trouve un équipement spécial pour infiltrer le crocheteur de Rilgar. Ok. Je comprends mieux maintenant. J'ai le overboard pour pouvoir participer au truc. Donc c'est nickel chrome. Ah, est-ce qu'on a récupéré aussi un overboard? Alors je sais pas vraiment comment ça s'appelle en jeu. Mais un truc qui vole quoi. Une planche qui vole. Une planche de surf ou de skate, comme vous voulez. En tout cas, elle vole. Habitants de Blackwater City. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes victimes d'une légère invasion d'amibes. Nos agents de sécurité font tout pour débarrasser la ville de ces créatures. Ils doivent d'abord se lever, prendre leur douche, se brosser les dents, démarrer leur vaisseau, bref, c'est pas simple. Alors, en attendant leur arrivée, la course est repoussée. Merci de rester chez vous pendant qu'ils gèrent. C'est ça, ouais. Nous, on passe par les égouts. L'occasion d'essayer mon nouvel overboard Skid Backmax. Ouais. Ah bah voilà, le truc pour pouvoir vider l'eau. Oh mon dieu! Des énormes créatures dégoûtantes. Qui vont être plus mangées. Vos mères. Voilà. Alors on fait moins les fiers, Bolo. Bim! On remplit maintenant. Et je vais pouvoir passer sans problème. Avec le sourire. Et voilà. Ah! Et ça j'avais... Ah oui non, parce que j'avais pas Ratchet à l'époque. Ah si, je suis... Il y avait ça avant? Que Clank il faisait des petits machins, bref. J'ai un doute, mais pourquoi pas. Ah ah, il y a une énigme. Bon, déjà, je vais détruire cette petite créature toute mignonne. Heureusement que j'ai regardé. Hein. Franchement, heureusement. En fait, il n'y a pas d'énigme du tout. Hein. Faut juste que j'enlève. Que je passe par en dessous après. Bref. J'espère que ça va se vider assez rapidement. On aspire. Ah, on aurait tellement pas pu aller en fait dans l'autre niveau si j'avais pas eu ça. On aurait tellement pas pu aller ici si j'avais pas récupéré l'arme. J'aurais pu louper l'arme en plus. Est-ce que c'est... Ah, peut-être qu'ils auraient dit vous ne pouvez pas y aller si vous manquez une arme. Ah oui, parce que si on n'avait pas dans le dernier niveau, on a récupéré le machin qui aspire l'eau. Eh oui, ce n'est pas rien. Je récupère l'eau. Hop là. Oh, les poissons les plus inexistants du monde. Ouais. Il me semble que c'est par là. Bravo Sherlock. Bim. Attendez, est-ce que ça se casse là-bas? Non. Je crois pas. J'ai un doute mais je ne crois pas. Je vais où maintenant? Ah bah oui, faut que je remette l'eau. Je crois. Hein. Je pense qu'il faut que je remette l'eau. Voyons voir. Schlouk. Schlick schlack schlouk. Et maintenant que j'ai cassé tous les trucs qu'il fallait casser, je peux plonger. Ah. Et du coup remonter là. Ah, ça c'est tout à l'heure. Oh, mon dieu, mais c'est quoi ces trucs là? Ah, mais c'est le truc que j'ai tué la dernière fois dans la grotte. Oh, yeah. Oh, je l'avais pas vu, je l'ai vu vraiment au dernier moment, au dernier coup. Attendez, j'ai tiré dedans tranquillement. Genre. Eh ben. Bon, on va viser. On va pas attendre que ça clignote. Et toi là-haut? Boum! L'argent! Ok. Oh, c'est la glissade. Même pas mal. Évacuation activée.
Oh mon dieu, l'eau monte. Je pense qu'on devrait courir là. Bah je cours là, c'est bon. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour mon père. Hop là. Poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Je sais pas que ça va faire, sinon je vais mourir noyé. Meurs, 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 meurs. Je pense que je peux vous passer à côté sans que vous me voyez. Ah, j'aurais dû utiliser le lance-flamme. Oh mon dieu! Ah, c'est par là! Vite! Vite, vite, vite! Ah, ils aiment pas l'eau, hein. Plongeons! Ah, vite, vite, vite! On ne mourra pas noyé, je vous le dis tout de suite. Et poussez-vous! Je pense qu'il faut aller par là, hein. Ça me semble logique. C'est parti. Du moins, je l'espère. Bah voilà, au moins ça nettoie le... Oh, vite. Ouf. J'ai eu chaud. Effectivement. Mais c'était intéressant. Ça ressemble vachement à ce que j'ai fait tout à l'heure, ça. Décédé, vilain case. Alors, est-ce que vous pensez que je peux vider l'eau ici ou... Je vais quand même voir s'il n'y a pas un boulon ou autre. Non, il n'y a que des caisses. Donc on va pas en faire des caisses. MDR. MDR quand même, MDR, allez. Allez, vas-y, allez, allez. Quoi, je suis trop près de la caméra. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. Reste sur tes gardes, Clank. Restez sur vos gardes. C'est quoi ce truc-là? Bonjour. Hé, petit, t'aurais pas des holocartes de Telt par hasard? C'est quoi un Telt? Eh bien, c'est juste l'arme la plus puissante de la galaxie, champion. Ça veut dire t'éclater la tronche. Tu vois, les types de chez Gadgetron, ils savaient que les plans étaient bien trop dangereux pour être tous stockés au même endroit. Alors ils les ont divisés et ils les ont imprimés sur une série d'holocartes. Mes associés et moi, on aimerait beaucoup récupérer toutes ces holocartes. Comme ça, on aurait les plans complets. Laissez-moi deviner, si on vous apporte les holocartes, vous nous fabriquerez l'arme. Tu as tout compris, mon très cher ami. Tiens, prends donc ce crocheteur. Ça facilitera certainement la récupération de la dite marchandise. Ah, voilà l'arme qu'il me fallait. Est-ce que je peux l'équiper? Non, c'est une arme... Waouh, excuse-moi, je voulais pas t'utiliser. Ah, j'aurais dû l'utiliser depuis tout à l'heure quand j'avais les autres trucs. Mais quel débile. Alors, utiliser quoi? Ah, d'accord, c'est juste ça. C'est pour crocheter les serrures, c'est ça? Le crocheteur peut court-circuiter les verrous alimentés. Tourne l'anneau de contrôle sélectionné pour diriger le laser sur le port. Port détecté, alimenté. Passe à l'anneau de... Alimente le dernier port avec le dernier laser. Eh ben voilà, c'est simple. Easy. Wouah, les cartes. Tidoudé. Ça fait un peu la musique, alors je pense que ça fait exprès. Continue à en chercher. Visite différents endroits et planètes. Les holocartes sont partout. Donc j'ai la musique, elle fait un peu penser. On n'a pas besoin de boulon. Sa monnaie, c'est la douleur. C'est bon, je peux causer. Oh, c'est sympa ici. Donc la musique fait penser un peu aux Avengers. Je sais pas ce que vous en pensez. Et c'était la fête ici, regardez, il y a des cotillons partout par terre. Et personne n'a fait le ménage. C'est pas très très professionnel tout ça. Alors on va aller visiter d'autres lieux pour récupérer d'autres holocartes dont l'autre a besoin. C'est parti. La ville en fait, dans ce jeu là, les villes respirent. Comment dire? Tu participes à la course? Respire la vie. Ah oui. On dirait qu'il y a vraiment de la vie dans ces villes, regardez. Il y a des véhicules et tout ça, c'est quand même fou. C'est fou, non? Allez, go. Capturer et détruire tous les organismes non autorisés. Organisme de type rongeur détecté. Détruit. Je suis un des dieux. C'est le... Je suis pas un type rongeur. Ah, du coup, il y a ce jureton là, il cause. Il cause et il est content. Bon. On va.
On va se balader quand même. Ça pétait. Alors, c'est compliqué quand même, hein. Ah bah, essayez pas de faire de bêtises. J'essaie de me concentrer un petit peu quand même. Bah ça y est, monsieur Zurkon, vas-y, attaque tout. Fais-toi please. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont assez solides ceux-là en fait. Mais mangez ça, tu vois si vous êtes solide. Et là, mangez un peu de plomb. Ha. Hop là, esquive. Alors le plomb, ça te plaît? Ça te pétille? Oh là là, mais t'as voulu me faire mal? Ça c'est vraiment pas cool. Voilà, le décès. Enfin, les boulons tombent de partout. Hello! Follow me. Ok. Wouhou! Monsieur Zurkon, viens m'aider! Enfin, oui, Zurkon, c'est ça. Tiens là-dessus, tiens. Ça me paraît bien. Oh là là, le bazar! Le bazar! Ça pète de partout. Et c'est classe. Et ça reste classe. Bonjour! Je vais tous vous détruire. Sans exception. Parce qu'on m'a dit que j'étais un rongeur et qu'on voulait me détruire. Oh! Arrêtez! Arrêtez, je suis à sec! Ah, du coup, ils attaquent pas à moi tout de suite. Ils attaquent d'abord au Lemon ou je sais plus quoi. Lemon. Le Zurkon! Monsieur Zurkon! Bah alors, on fait moins les fiers maintenant qu'on meurt! Vous êtes nombreux là, en plus ils se dédoublent les machins. Et Zurkon, vous pensez qu'il devient super balèze au bon moment? Ah, j'en ai plus après, c'est le dernier. C'est le dernier monsieur Zurkon. Je veux qu'il monte de niveau, moi en fait. Monsieur Zurkon vit pour tuer. Bah du coup faut se balader encore, hein. Je sais pas vraiment, faut que je récupère toutes les holocartes, mais alors je sais pas si faut qu'elles soient toutes ici. Je pense que c'est ici qu'il veut. Je pense, hein. ça semblerait logique. Wouhou! À tous les habitants de Blackwater City, au lieu des équipes de sécurité, nous avons déployé une armée de destructo-robots dans la ville. Ils sont accompagnés d'une poignée de tanks automatiques pour accélérer le processus. Leur ordinateur de bord ne fait pas la différence entre les intrus et les habitants. Alors un conseil, restez chez vous. Ah bah c'est cool. Ça donne envie. Mangez donc mes petites grenades. Ah bah voilà. Oh là 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 là. Les trophées se suivent mais ne se ressemblent pas. Et heureusement. J'aime pas trop qu'on me tire dessus, hein. Oh là 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 là, trop de monde. Vous savez quoi? Le lance-flamme. J'en ai marre. Vous allez tous... Ouh là là. Vous allez tous mourir. Je ne suis pas une espèce de... Qu'est-ce que c'est que ça? Un énorme truc. Hein? Ah, laissez-moi tranquille. Attendez, je vais juste vous brûler, hein. J'ai même pas vu s'ils pouvaient me vendre une autre arme. Bah voilà, ça c'est cool. Le lance-flamme qui s'améliore. Aïe. Mais aïe. Aïe. Ok, je pense que je vais prendre une autre arme. Hein. Monsieur Zurkon. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est fini, je sais pas pourquoi. Comment il me dit d'appuyer sur le triangle? Ok. Clic. Ah, il y a des gens ici, c'est sympathique. Ok. Donc le lance-flamme, après j'ai plus de munitions. Hein, ça va bien se passer. Je vais juste aller là-bas parce qu'il y a de la vie. Bouton. Cool. Ah, je vais pouvoir repartir en arrière, c'est fait pour ça ou bien? Donnez-moi des munes. Ah, ça va. Oh, oh là là. Oh, il est exigeant celui-ci. Bah oui, mais je vais bien aller venir te voir pour le gros vitron là, mais. La 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 la
comment je fais pour remonter ? Parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un truc pour acheter des armes. Est-ce que je peux le faire, là, à votre avis ? Je ne pense pas. C'est juste pour ça ? Ouvre-toi, porte ! Non ? Non. Ah bah non, je sais pas. Je pourrais acheter un Grooviton. Alors ça, je sais ce que c'est que les Groovitons. C'est l'arme la plus cool du monde. Bon, tant pis, on l'achètera plus tard. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer d'avancer. J'espère qu'on va au moins finir la quête avant la fin de l'épisode. Sinon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Waouh! Bonjour! Hello! Y'a quelqu'un? Oh, mais qu'est-ce que c'est? Y'a du monde en bas. Est-ce que ça vaut le coup de descendre? J'ai envie de dire non. Ah, sauf si l'autre attaque, forcément. Sinon, ça reste. C'est pas rigolo sinon. Pas la vie s'il vous plaît, voilà. Ah voilà, j'aurais ouvert la porte, c'est ça. Ne me dites pas merci surtout, hein, je vous ai libéré. Libéré. Délivré. Salut. Boum. J'ai pas le Grooviton, sinon je vous aurais fait danser. Vous êtes trop dangereux, hein. Vous êtes beaucoup trop dangereux. Alors là il me dit d'accord appuie sur triangle, je ne sais même pas pourquoi. Mais peu importe. Moi je vous détruis à coup de clamolette. Vous allez faire quoi? Pourquoi il me dit appuie sur triangle? Parce que je peux choisir une arme comme ça, d'accord, mais. Je comprends pas. I don't understand. Bon ben voilà. Ah, il y a un chemin par ici, et ici il n'y a rien. Donc let's go. Ah mais pourquoi il se trouve là lui? N'importe quoi. C'est le chef là? Ah c'est pas d'accord. J'attendais que ça s'ouvre. Pas de problème. Ils sont mignons. Qu'est-ce que tu fais là toi? Vous êtes pas dangereux, hein, je sais pas si vous êtes au courant, mais vous ne me faites pas peur. Vous ressemblez à Bouffetou dans Ghostbusters. Bonjour. Mais pourquoi ça vous fait apparaître quand j'appuie sur le bouton? Il y a vraiment des questions fondamentales à se poser dans le jeu. Ah, bien sûr! Ça suffit maintenant! Donnez-moi vos boulons. Ouah! J'ai appelé Monsieur Jurcon. Et je vais lancer des grenades. Ça vous dérange, bien entendu. Ou sinon, je pourrais lancer, bien entendu, ce truc-là. Voilà, qui pourrait vous tuer en non-stop. Voilà. Simplement. Monsieur Jurcon est très drôle, hein. Attendez, ne bougez pas trop. Ouais, c'est ça, divise-toi. C'est parfait, moi ça m'arrange très bien. Oh mon dieu! Monsieur Jurcon, où es-tu? Tu parles tout le temps, mais c'est rigolo. Laisse-moi, Monsieur Jurcon, je vais t'aider. Enfin, aide-moi, Monsieur Jurcon. Ah. Là, j'ai quand même détruit ce truc-là. Ça a ouvert deux côtés à la fois. Ah, j'ai récupéré un truc que j'ai oublié le nom à chaque fois, parce que c'est trop compliqué à dire. Bonjour. Eh bien alors, fais-moi le fier qu'on va mourir et qu'on va pas se diviser en deux. Ah si, t'es quand même divisé, hein. C'est pas quand même pas rigolo. T'es pas rigolo comme gars. Et gars. Je suis pas ton gars, mon gars. Je suis pas ton gars, mec. Regardez. Je vais tous les libérer. Oh non! Comment... À quoi ça sert d'être sur la terre, c'est pour faire... Ok, ça fait juste à ça, quoi. Il y a un vilain méchant là-haut qui va m'embêter. Mais qui ne me fait pas peur. Oh non, mon dieu, mais tu fais mal, tu fous. Il est content, il m'a touché. Bah tiens, moi aussi je te touche. Je crois que ça me fait peur. Oh là, sec. Mais t'en fais pas. J'ai d'autres propositions à te faire en te tirant dessus avec une autre arme. Ouais. Il y en a un autre, hein. Je t'ai vu, hein.
Mais c'est pas grave, je ne vais pas faire. Ça va bien se passer. J'ai juste à être calme et ordonné. Je suis à 7, encore. On se calme. Je t'en lance ça. Ah ! Arrêtez les autres à me tirer dessus ! Vous êtes vraiment pas rigolo. Qu'est-ce qu'il me reste comme arme ? Monsieur Zurcon. Toi, je dois lancer un truc, hein. Ouais. C'est compliqué, hein, cette histoire. J'ai le lance-flamme, mais c'est un peu compliqué aussi à utiliser. Ah ! Laissez-moi tranquille, je vais pas mourir. Je l'ai eu. GG. C'est quoi la carte que j'ai eue ? Oui, c'est quoi ? Ah, des armes. Parfait. Ok. Ok. Comment je fais pour partir ? Pourquoi je peux pas partir ? Mais laissez-moi tranquille ! C'est bon ? Merci. J'ai débloqué dans le menu. Ouais, bah le gros vitron, oui, ça va venir, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors, déjà, surtout qu'il n'y a même pas de magasin dans le coin, tu vas me dire, arrête de me dire n'importe quoi. Mon pauvre ami. Ah, je récupère de la vie, ça c'est cool. Ouais, ça j'en étais sûr, hein, au passage. Ah, pas grave, j'ai pas perdu de vie pour autant. Bah oui, bah, qu'est-ce que je te dise. La ville est désormais débarrassée des amis. Et tout cela, grâce à deux citoyens, Ratchet et Clank. La course peut reprendre, alors restez à l'écoute pour la suite du programme. Ah bah voilà. Ça c'est le GG. Bonjour toi. Salut, je m'appelle Starlene. Tu viens pour la course? Exactement. De l'enthousiasme, ça me plaît. Allez, va à l'intérieur. La première course commence dans 5 minutes. Comment ça, 5 minutes? La coupe de bronze. Ok, pour l'instant il y a que la coupe de bronze qui est débloquée. Ok. Eh bien écoutez les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas comme d'habitude le petit jeu, un petit commentaire si ça vous a plu. Et de vous abonner à la chaîne si vous en avez envie. Je vous dis à la prochaine les amis. Ciao !